Kaf Vav Amud Aleph la Mishnah. A price. Ok, on est arrivé jusque là. Ok, on y va. À la Mishnah. Ouais. Ok. A price hashlishi chadashim lektoret bo behafisu. והרביעי חדשים עם ישנים, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. On avait dit qu'il y a quatre tirages au sort parmi les Kohanim dans le temple. Le troisième temple, le troisième Païs Ashlishi, c'était pour la Ketoret. Déterminer quel Kohen va faire la Ketoret. On s'est écrit Chadashim la Ketoret Bo, Vahafisu. C'était une demande que les Kohanim qui sont nouveaux, soient nouveaux. On parle d'un Kohen qui n'a jamais auparavant fait la Ketoret. Pourquoi? Parce que, bon, la Gemara, plus tard, on va voir plus tard dans la Gemara. Vers Revi'i, et la quatrième, le quatrième tirage au sort consistait de quoi? De, vous savez, on a parlé du fait qu'ils ont mis les morceaux de l'offrande qu'ils ont découpés, ils les ont placés sur la rampe qui monte jusqu'au misvers, le Kevesh. Le quatrième, c'était de prendre des morceaux qui étaient déjà étalés sur la rampe et de les placer sur le misbeach. Ok, donc auparavant, le deuxième pince, c'était de faire shrita, découper l'animal, mettre les morceaux de l'animal sur le kevesh. Et ici, on voit que le quatrième, c'était de maintenant prendre les morceaux et de les poser sur le misbeach. Mais c'était un seul Kohen qui portait donc le... On va voir. Alors, on a vu auparavant, quand on a parlé du Korban HaTamid, qui consistait d'un mouton, c'était un seul Kohen. Mais quand on va parler d'autres offrandes, que ce soit un bélier ou que ce soit bien sûr une vache, il y a plus de Kohen qui ne prenaient pas. Gemara, Tana, Me'olam, Loshana Adamba. השיעור הזה מוקדש לרפואה שלמה ומהירה של שמעון בן רחמונה ושל ישי אליהו בן רונית וגם עזיזה בת נג'מה. Plus. Beaucoup plus. Il y avait 24 mishmarot de Kohanim. Et mais une mishma, c'est pour toute la semaine. Et la mishma consistait de plusieurs familles. Ils se départageaient les jours de la semaine par famille. Dans une mishma qui comprenait plusieurs familles, en chaque famille était responsable d'un jour. Ce jour, c'était cette famille. Ce jour, c'était une autre famille. Et combien il y avait de Kohanim dans la famille, dans la mishma, je ne sais pas. La Gemara dit Tana, mais olam lo shana adam ba. Il n'y avait jamais une fois qu'un Kohen avait fait la Ketoret à deux reprises. Maïta ama, amar Rabbi Chanina mipnei shim asheret. Parce que la Ketoret, elle a une skula qu'elle rend, elle enrichit. Celui qui fait la Ketoret, ça l'enrichit. Et donc, on voulait donner une possibilité à tous les Kohenim de s'enrichir. Amar le rapap le abaya maïta ama. Pourquoi, en fin de compte, d'où on a pris que ça enrichit? Il aime Meshum Dirti parce que c'est écrit Yassimu Ketora Be'apecha. Dans Sefer Dvarim, c'est écrit Yassimu Ketora. Ketora, ça vient du mot Ketoret. Be'apecha dans ton nez. Et tout de suite, c'est écrit après Urtiv Batre Barech Hashem Chelo. Akadosh Baruch Hu va bénir ses activités, son khel, ses biens. Alors peut-être c'est à cause de ça, on voit ici qu'il y a une juste position dans la Torah entre Ketora, le mot Ketoret, entre Barech Hashem Chelo. Alors si c'est comme ça, Ihachi, Olanami, Aktiv, Vechalil al Mizbechecha, a dit la même chose pour un Korban Ola. Parce que là, dit le Korban Ola, celui qui va faire le Korban Ola aussi va s'enrichir. Pourquoi? Parce que c'est écrit Khalil al-Mizbachecha. Le mot Khalil, c'est entièrement. Entièrement consommé ou consumé. Entièrement consumé sur le Mizbach. Et la seule offrande qui est entièrement consumée, entièrement, c'est l'Ola. On dit, comme c'est
une allusion au Khalil dans le même verset. Il dit ça, puis crée aussi, pas seulement à la Ketoret, aussi Korbanola. Amar le ha shricha, ve ha lo shricha. Il y a une différence, que la Ketoret n'est pas fréquente, tandis que la Ola est oui fréquente. Donc encore une fois, de quel point de vue est-ce que Korbanola c'est une offrande qui fréquente? Parce que n'importe quel juif, il peut apporter, il peut se porter volontaire et apporter un korban ola pendant la semaine, n'importe qui. Tandis que Ketoret, c'est uniquement deux fois par jour, c'est pas quelque chose qui peut être apporté par l'individu. De ce point de vue, c'est pas quelque chose qui est fréquent, c'est rarissime dans, de ce point de vue. Et donc, pour, c'est pour ça que c'est spécial. Oui, Ketoret, c'est spécial. Il peut y avoir des jours peut-être où il n'y a pas de quoi du kamen de ola. De toute façon, il y aura quand même des Ketoret deux fois par jour. Oui, mais tu t'as dit un Kohen qui apporte Ola. Non, il y a des fois qu'il n'y a pas. Il faut que l'Israël, il ne va pas y avoir de Korban Ola. Oui. Ça peut arriver. Ça par contre, celui-là, c'est un toujours, midi. D'accord. Le Ketoret, c'est deux fois par jour. Mais disons, le Korban Tamid qu'on offre deux fois par jour, le matin et l'après-midi, c'est aussi Korban Ola. Ça aussi, c'est constant. Mais à part ça, il y a tous les olot que les gens ils apportent pendant la semaine. Ça. Il y avait des troupeaux. Le Bedin avait. Oui, il y avait beaucoup. Ouais. Ok, jusque là c'est clair. On continue. Amar Rab, l'homme ashkach atzurv me rabbanan de Moré, el da'ate mishevet Levi ou mishevet Issachar. Rab enseigne que ça ne se faisait pas qu'on trouvait un tsurv merabanan, un ben Torah, un bachur yeshiva, ou quelqu'un qui enseignait, des morei, quelqu'un qui enseignait, seulement s'il venait, il descendait, il faisait partie de la tribu de Lévi, ou Mishéva de la tribu d'Issachar. Ok, donc on est en train de dire encore une fois, normalement les gens qui prenaient le poste d'être d'enseigner, et d'enseigner ici on dit comme un dayan, ou un rav sheposek, halakha. C'était normalement, c'était presque tout le temps, c'était des gens qui faisaient partie ou de la tribu de Lévi ou de Issachar. Lévi dirtiv yoru mishpatecha le Yaakov. D'abord, il y a ce verset dans la Torah qui parle de Lévi en disant qu'eux, ils vont enseigner tes enseignements à Yaakov. Donc, si la Torah dans la bracha que Lévi a reçue, on retrouve cette phrase que Yoru Mishpatech et Yaakov. Ça veut dire qu'ils ont ça dans les gènes. Ils ont ça, ça fait partie intrinsèque de la nature de la tribu qu'ils sont capables d'enseigner. Mais Issachar, Dirtiv, Issachar Yodei Bina Leitim, la date, Maya Asse Israël. Aussi, quand on parle d'Israël, de Issachar, il y a aussi dans Divrei Hayamim, un verset qui parle du fait. Qu'ils sont spécialistes, ils savent, Yodei Bina Leitim, la date Maya Asse Israël. Aussi, il y a la date Maya Asse Israël, ils savent comment, quelle est la lacha. Alors, la Gemara dit si c'est comme ça, Ve'em Yehuda Nami. Alors, pourquoi pas aussi la tribu de Yehuda, Dirtib Yehuda Mechokaki. Yehuda Mechokaki. Ça veut dire que Yehuda, ils sont capables d'enseigner Chok, les lois. Donc on voit qu'aussi, ils ont la tribu de Yehuda, ils ont cette affinité d'enseigner. Yehuda Mochokeki. Et l'agma répond, Asuke Ishma'ata, Alibe de Hilchata Ka'amina. Il y a une différence entre les gens qui apprennent, et les gens qui apprennent, ils savent tirer l'alacha de l'enseignement. C'est deux choses différentes, c'est une qualité différente. De savoir apprendre. Il y a des gens qui apprennent la Gemara, beaucoup de Gemara, en profondeur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent dans la Gemara consiste de beaucoup de débats, et beaucoup de disputes, et beaucoup de points de vue différents. Alors, ce n'est pas chaque personne qui va savoir exactement quelle est la lacha. C'est un autre, c'est une autre qualité, un autre. Et Yehuda, ce n'est pas pour eux. Lévi et Issachar, oui, c'est des gens qui, apparemment, par nature, ils ont cette capacité de savoir comment trancher, de savoir quelle est la lacha. Alibe de Hilchata. Regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Alibe de Hilchata, le horot que datu ka lacha. Enseigner la lacha comme il faut. Et pas seulement apprendre la Torah. Ok, Amar Rabbi Yochanan. Ein mefaisin
En mefaisin al tamid shel bein ha'arbaim. On avait parlé avant du tirage au sort qu'on faisait pour le tamid shel shachar, le tamid du matin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le korban al tamid de l'après-midi? Est-ce qu'il y avait aussi un autre tirage au sort ou pas? En mefaisin al tamid shel bein ha'arbaim el ha'kohen shezachabo b'shacharit zochebo arvit. Plutôt, on propose ici, selon Rabbi Yochanan, que les mêmes Kohanim qui ont mérité ou qui ont gagné le tirage au sort en ce qui concerne le Tamid HaShacha, ils vont continuer et faire la même chose en ce qui concerne le Korban HaTamid, Shabbat Arbaim. C'est comme une entité, c'est pas un autre truc, c'est pas un autre dossier, c'est le même dossier de Korban HaTamid. Donc par exemple, celui qui a gagné, c'est lui responsable de mettre la tête et la jambe, la patte droite sur le misbère, il va faire la même chose. Korban HaTamid shel Bein Arbaim aussi, c'est lui qui est responsable de prendre la tête et la jambe droite, par exemple. Meitive, une kushia, que shem she mefaisin shacharit, kach mefaisin Bein Arbaim. Oh, il y a une braïte qui dit explicitement que la même façon qu'il y avait un tirage au sort en ce qui concernait le Korban HaTamid du matin, il y avait aussi un tirage au sort pour déterminer qui sont les Kohanim qui vont s'occuper du Korban HaTamid de Bein Arbaim. C'est le contraire de ce qu'il a dit. Ah, c'est contre Rabbi Yochanan. Eim la. On essaie de dire que je m'effacim lo. Au lieu de dire m'effacim lo, m'effacim la. La, c'est au féminin. C'est quoi la différence? Si c'est au masculin, on parle de Korban HaOla. Korban, le korban, il est au masculin. Mais là, c'est au féminin. Il dit, quand tu dis que tu fais une deuxième reprise, un tirage au sort, pour le tamid, chez le Bein Arbaim, c'est possible qu'on parle, quoi le tamid? On parle de la ketoret, parce que la ketoret aussi, on la brûle aussi l'après-midi. Donc c'est possible qu'ici, on parle, au lieu de dire l'eau, dit là. Et là, ça parle de la ketoret, parce que la ketoret, c'est au féminin. Mais il dit, attends, il y a une brinte qui dit que Shem Shem Mefaisin Lo Shacharit, Kach Mefaisin Lo Aravit, ou que Shem Shem Mefaisin La Shacharit, Kach Mefaisin La Arvit. Voilà, c'est clair qu'il y a deux langages, et un qui dit Lo et l'autre qui dit La. Ça veut dire qu'on parle aussi bien du Korban HaTamid, aussi bien de la Ketoret. Et il y a un tirage au sort qui se passe aussi bien le matin que l'après-midi. Et ici, c'est écrit l'eau et c'est écrit là. Marav Shmuel bar Rabbi Yitzhak Hacha, il dit, oh, là c'est différent. De quoi on parle ici, où il y a une nécessité de faire encore une fois un tirage au sort l'après-midi, le Shabbat, Askinen. Ou il veut Mishmerot Mitrachot. C'est quoi Mishmerot Mitrachot le Shabbat? Se renouvelle pendant Shabbat. Oui. Que vous savez que les Kohanim, il y avait une nouvelle garde de Kohanim qui remplaçait la première garde. Le changement de... Il se remplaçait quel jour? Le Shabbat. Et donc forcément, les gens qui faisaient le matin le tirage au sort, c'était l'ancienne Mishmeret. Et ceux qui venaient l'après-midi, pourquoi on faisait encore une fois un tirage au sort? Parce que l'après-midi, c'était une nouvelle Mishmeret. Mais c'est unique, on propose. Une fois par semaine. C'est unique une fois par semaine le Shabbat. Mais les autres jours de la semaine, je te dis, parce que le Shabbat, la Mishmeret, qui était d'office l'après-midi des Kohanim, c'était pas la Mishmeret qui était d'office le matin. On ne peut pas le faire avant Shabbat, le tirage au sort. Ben, il y avait un tirage au sort le vendredi pour déterminer qui vont être les Kohanim qui vont faire le tamid du vendredi. Ça veut dire chaque jour. Qu'ils vont faire encore. Pourquoi la chaque semaine, jour. Pourquoi la semaine, elle commençait le Shabbat, pendant Shabbat. Ah comment? Ah pourquoi les nouveaux Kohanim, ils étaient d'office, ils commençaient leur nouveau truc le Shabbat? Parce que on avait dit aussi, il y a deux éléments dans le Shabbat. Le Shabbat, deux dimensions. Le Shabbat, d'un côté, c'est le stade final des six jours de la semaine. L'accumulation, c'est le but final de la semaine. Mais de l'autre côté, le Shabbat, ça sert aussi, c'est Mekor HaBracha. On appelle le Shabbat la source de la Bracha. La source de la Bracha, pourquoi? Pour les jours qui vont venir.
C'est-à-dire que dans le Shabbat va impacter sur les jours qui vont venir. Et c'est pour ça justement qu'on va le Shabbat l'après-midi. On commence, on entame l'après-midi du Shabbat, la lecture de Parashat HaShavua de la semaine prochaine. On dit que c'est la prière la plus importante de la semaine, Mincha de Shabbat. Mincha de Shabbat. Quoi que ce soit, on voit qu'il y a dans le Shabbat ces deux aspects. D'un côté, c'est la fin des six jours précédents. De l'autre côté, c'est le début des... Alors, c'est pour ça que le changement des Kohanim se déroule. Donc, c'est pour ça qu'il y a un tirage au sort l'après-midi. Parce que c'est une nouvelle Mishmeret. Mais les autres jours de la semaine, c'est la même Mishmeret qui est d'office le matin, qui est d'office l'après-midi. On n'a pas besoin de faire un nouveau tirage au sort. Parce que les mêmes qui ont été choisis, comme Rabbi Yochanan dit le matin, ils vont être d'office aussi, ils vont faire l'après-midi avec le Korban Atami de l'après-midi. C'est clair? Non, c'est pas clair. On a donné une réponse. D'abord, on a dit que c'était séparé, qu'il y avait deux tirages. Oui. Au départ, on a dit qu'il y avait un seul tirage. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Ah, c'est que l'avis de Rabbi Yochanan. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Après, on a apporté une grâce et contredit. On a apporté une braïta qui contredit Rabbi Yochanan, qui dit, on a essayé de dire, tu sais quoi, quand la braïta dit un nouveau tirage au sort, et au lieu de dire l'eau, dit là. Là, ça s'applique à la Ketora et pas au Korban HaTamid. Après, on a trouvé une braïta qui dit l'eau et qui dit aussi là. Donc, et deux tirages. Deux tirages au sort. Alors, comment on explique ça? Et comment il s'en sort Rabbi Yochanan, il répond là-dessus? Oui. La Gemara a déjà répondu en disant que c'est différent. Cette braïta qui parle d'un tirage au sort, un nouveau tirage au sort, qui s'applique l'après-midi, ça parle de Shabbat. Et pourquoi le Shabbat c'est différent aux autres jours de la semaine? Parce que le Shabbat, on a une nouvelle Mishmeret. La Mishmeret qui est d'office le Shabbat, elle n'était pas d'office le matin. Le matin, c'était l'ancienne Mishmeret. Ouais. L'après-midi, c'est la nouvelle Mishmeret. Ouais. Donc, ils ont besoin d'un nouveau tirage au sort. Comprenez? D'accord. Donc, celui qui faisait le matin, il faisait d'après un tirage au sort. Oui. Que pour le matin. Que pour le matin. Ah, et exceptionnellement le Shabbat, ceux qui participaient au tirage au sort l'après-midi, c'était une nouvelle Mishmeret. Mais les autres jours de la semaine, c'est la même Mishmeret. Donc le matin, le Kohen qui fait le Ketoret, le matin. Le soir, c'est un autre Kohen qui fait encore, ou bien c'est pas le même? Alors, le Shabbat, c'est sûr que c'est d'autres personnes. Le Shabbat, c'est d'autres personnes. Et dans la semaine? Mais la semaine, apparemment, c'est la même personne. Le même Kohen qui fait le matin, il fait le matin. Apparemment. Il y avait tirage au sort. Moi, il y a une chose qui me gêne. Tous les matins, il y avait tirage au sort? Tous les matins dans le temple, il y avait quatre tirages au sort. Quatre tirages. Alors, pourquoi? On avait demandé, on avait parlé de ça, pourquoi quatre tirages au sort et pas un? Pourquoi pas un rassemblement de tous les Kohanim le matin? Et le matin, on détermine qui fait quoi en ce qui concerne tous les actes, tous les services, la vodot dans le temple. Et voilà, pourquoi à quatre fois? Vous vous rappelez la réponse? Pourquoi il y avait cette obligation de se rassembler à quatre reprises dans le temple pour faire quatre tirages? Pourquoi? On se rassemble une fois. Et quand on est rassemblé, on fait tous les tirages, on détermine tout ce qu'il faut faire. Et voilà, pourquoi qu'à quatre fois? Vous rappelez la réponse qu'on a vue? Oui. Quoi? Pour se retrouver ensemble, quoi, mais... Presque, mais pas exactement. Non, c'était pas pour se retrouver ensemble, c'était pour... Pour animer. L'animation. Pour mettre de l'ambiance. Eh bien, se retrouver ensemble aussi. Pour mettre de l'ensemble. On avait cité un verset dans la Torah qui dit « Ragesh ». C'est écrit Asher dans Teilim, Asher Yachdav Nam Tiksot Bebeit Elokim Nehalech Beragesh. Il faut aller avec de l'émotion, avec l'ambiance. Et donc, chaque fois qu'il y avait un rassemblement à nouveau, les Kohanim venaient, il y avait une annonce, tout le monde courait, c'était l'ambiance. Et on veut que dans le temple, c'est pas une librairie, la librairie. Local où tout le monde arrive en librairie, c'est silence, c'est personne qui parle. Ouais. Je m'en souviens. Oui. Moi, il y a une chose qui me gêne. Oh, c'est que c'est très, très embêtant si ça te gêne. On faisait un tirage de sort Shabbat pour la semaine. Pour les jours. On faisait un tirage au sort même l'après-midi de Shabbat pour la nouvelle Mishmeret, mais ça concernait les actes. Le service, qui se déroulait le Shabbat. Non, qui se déroulait le Shabbat. Le Shabbat de l'après-midi.
Korban HaTamid Shel Bein HaArbaim, qu'on offrait l'après-midi. La Ketoret, qu'on brûlait l'après-midi, tard l'après-midi. Et la Menorah, qu'on préparait, qu'on allumait tard l'après-midi ou le soir. Tout ça, ça fait partie du Shabbat. C'est pas le lendemain. Le lendemain, il y avait un autre tirage au sort. Ok, on continue. La Gemara dit... La Briyout. Encore une fois, Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Hache b'Shabbat Askinen, Hoil v'Mishmerot Mitchadshot. Maintenant, où le Maïne Salik Adatin Militar, c'est ça que tu as pensé qu'au début, qu'on va avoir un nouveau tirage au sort l'après-midi, ça ne marche pas. Ne fichez le Hupayasot, on va avoir trop de tirages au sort. Parce qu'on a enseigné qu'il y a 4 tirages au sort. Si tu me dis qu'il y a un autre tirage au sort pour l'après-midi, on arrive à 5. Et on avait dit au début, c'est une règle, il y a 4 tirages au sort chaque jour dans le temple. Ne fiche, on va trop, on va plus de tirages au sort. Maïté Kulu Mit Safra, elle dit non. Comment ça se déroulerait le Shabbat? Comment ça se passe le Bash? Maïté Kulu Mit Safra, Atu. Tout le monde se rassemblait pour le tirage au sort du matin. De Zaché Bei Shacharit, Zaché. De Zaché Bei Arvit, Zaché. C'était le matin, on déterminait ceux qui allaient participer à Korban HaTamid du matin. Après, on déterminait qui va s'occuper du Korban HaTamid de l'après-midi. Mais tout ça se déterminait à travers dans le contexte du même tirage au sort, le même rassemblement. Pais, quand on dit Pais, c'est deux choses ici. C'est surtout ici on parle d'un rassemblement. On rassemblait les Kohanim qui se mettaient dans un cercle et on déterminait. On déterminait le matin qui vont être ceux qui vont s'occuper du Korban HaTamid aussi de l'après-midi. Merci. Le Shabbat. C'est le Shabbat, c'est pas hein? Seulement le Shabbat. La semaine, c'est le même. Le même. Okay. Maintenant, la Gemara. Est-ce que je peux gagner deux tirages au sort? Non. C'est gourmand là. Gourmand. Hein? Non. Est-ce que... Non, tu peux gagner. La vérité, encore une fois, chaque jour c'était une autre. D'autres Kohanim qui étaient d'office. Chaque jour c'était une autre famille. Mais il y a 4 tirages au sort. Oui, 4 tirages. Donc, 4 chances de gagner. Oui, alors tu pouvais pas. Si tu n'avais pas gagné. Alors, tu pouvais participer à d'autres tirages au sort. Tant que si je gagnais d'un coup. Non, une fois que tu gagnes, c'est finito. Ouais, c'est fini. Parce que pourquoi? On veut permettre aux autres aussi de mériter de faire quelque chose. Matnitin de l'oncle Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Notre Mishnah est contre l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'etnan. Rabbi Eliezer Ben Yaakov omer. Ha ma'ale ivarim la kevesh, hu ma'ale otan la misber. Lui, il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que les Kohanim qui placent les morceaux de l'offrande sur la rampe, sur le Kevesh, c'est les mêmes qui plus tard vont soulever les morceaux et les mettre sur le Misber. Ce n'est pas des autres Kohanim, ce n'est pas un autre tirage au sort, c'est les mêmes, c'est une continuation. Alors on dit que notre Mishnah, ce n'est pas comme lui, parce que notre Mishnah dit, c'est écrit dans notre Mishnah, ouais, que le quatrième pas est déterminé, qui vont être les Kohanim, qui vont soulever les morceaux qui étaient sur la rampe et les placer. C'est contre l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Il y avait des Kohanim qui n'avaient pas la chance de faire quelque chose. Comment on dit en anglais tough? Je sais ce que ça veut dire tough en français. Comment on dit tough? C'est mal à sauter. mais, ok, ça c'est un. D'Etnan. Excusez-moi. Ah, oui. Parce que pour Ketoret, vous avez dit que c'est une mitzvah pour. Ça enrichit la personne. Non, je n'ai pas dit. C'est une mitzvah qu'on faisait. Ouais. Et il y avait une skoula. Voilà. Celui qui le faisait, ça risquait. Ah non, mais la personne, il ne va pas faire le matin et le soir. Il vaut mieux quand même partager, mettre chacun le matin. Et puis l'autre, il faut laisser la place pour quelqu'un d'autre. Peut-être. Parce que vous avez dit. Il ne faut pas que ce soit le même Cohen, c'est tout ce que je voulais dire. Mais comme je te dis encore une fois, comme il y avait chaque jour un nouveau truc, alors, chaque jour, mais ce n'était pas comme tu dis,
que l'après-midi, il y avait un autre Cohen qui faisait ça. Le même Cohen qui faisait la Ketoret le matin, il faisait l'après-midi. C'est un ensemble. Il va être très riche. Ouais, c'est sûr. Il a gagné le volume. Tu sais, je vais te dire quelque chose, si on entend. On dit aussi que celui qui est Sandak, dans les bruits, mais là on dit entre autres que le Sandak, c'est une skoula qui s'est enrichie. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont été Sandakim, qui sont Kodish. Alors peut-être il faut comprendre ça dans un contexte, il faut comprendre ça. C'est la même chose, alors, ça veut dire quoi? Chaque personne qui a le Ketoret, automatiquement il devient millionnaire? Pas évident. Ça veut dire enrichi, ça veut dire peut-être enrichi qu'il est peut-être au niveau spirituel, enrichi, ça veut dire qu'il est moins pauvre qu'il aurait pu être, selon le décret. Ok, alors la Gemara dit encore une fois, Haravi Chadashim Yishenim, Matnitin de Lok Rabbi Eliezer Ben Yaakov, de Tzna Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Omer, Ma'ale Ibrahim le Kevesh, Hu Ma'ale Otan la Mizbeh. Mais Michael Mifugi, sur quoi il se dispute l'auteur de notre Mishnah et Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Marsevan, Berov Am Hadrat Meler. Il se base sur le verset dans Michelet qui dit que dans le nombre, quand il y a des foules, quand il y a le nombre de personnes, on retrouve la gloire du roi. Hadrat Meler. Alors pour lui, c'est donc la Mishnah. C'est mieux d'avoir encore des Kohanim différents qui vont être responsables de prendre les morceaux de la rampe et mettre sur Misber. Il y a plus de Kohanim qui sont impliqués. Donc, de Rob Am, Hadrat Meler. Oui, Yoel. Oui ou pas? Oumar Sava, Makom Shrina. Lave horreur arabe. Mais l'autre opinion qui dit que non, il dit que ça ne se fait pas, c'est un peu. Ça ne donne pas une bonne impression vis-à-vis de la Shrina. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression, Rachid dit, cinquième ligne d'en bas, lave horreur arabe. Le mitra zeikman de tzarich leimilte. Ça donne l'impression que c'est casse-pied pour les Kohanim qui ont déjà mis sur la rampe, c'est casse-pied de continuer de prendre la rampe et les mettre sur la misbère. Et c'est pour ça qu'ils sont remplacés par d'autres. Ouais, ça pourrait donner l'impression que c'est trop. On a besoin que d'autres. Mais au contraire, ça donne une mauvaise impression que celui qui a mérité de la mettre, c'est lui aussi qui continue. Et il va les mettre sur le misbère. Donc il y a deux perspectives différentes d'aborder ce sujet. C'est pas un problème de vêtements. Non, rien. Mais c'est bien quand tout le monde participe aussi. Ok. C'est quoi les deux avis? Une opinion, c'est celle de notre Michelin, qui dit qu'il y a un nouveau tirage au sort pour déterminer qui sont les Kohanim qui vont soulever les morceaux du korban qui étaient placés sur le kevesh, après les poser sur le feu, sur le misbeh. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est notre Michelin. La quatrième, le quatrième. Rabbi Eliezer Ben Yaakov dit non, les mêmes Kohanim qui ont mérité de placer les morceaux sur le kevesh, ils vont continuer plus tard et les soulever et les poser sur le feu. C'est les mêmes. Il n'y a pas un nouveau tirage au sort. Donc c'est contre la Mishnah de Rabbi Yochanan, lui. Non. Rabbi Yochanan, lui, il a dit que il avait dit encore une fois les mêmes gens qui faisaient le tamid le matin. Le tamid du matin, ils faisaient le tamid de l'après-midi. Quel est le sens de ça? De quoi? Ils ne mettent pas directement sur l'autel. Ah, pourquoi on fait ça par étapes? Oui, oui, une sorte d'interruption. Je ne sais pas. Je sais que. C'est une bonne question. Je sais que. Une chose qu'ils faisaient, c'est après qu'ils plaçaient les morceaux sur le Kedesh, les Kohanim allaient prier le matin. Ils allaient prier. Après qu'ils prient, ils retournaient, ils soulevaient, ils mettaient sur le Kedesh. Pourquoi à deux étapes? Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est toujours le même problème avec les menorotes. D'abord, on les nettoie. Oui, et plus tard, on les met. Oui, des temps différents. Ok. Là, bon, Amar Rava. Tu sais, je dis la chose suivante. Oui. Que le monde naturel, l'évolution du monde naturel, c'est une évolution qui se déroule par étapes. Par étape. Par exemple, un mariage. C'est pas tchik-tchak. Un mariage, le lendemain, ils sont mariés. Il y a les héroussines. Il y a les choses. Et même après,
C'est un truc par étape, après Yeshéva Bachot. Hein. Lo aleinu lahabdil, le deuil, c'est la même chose. Il y a, comment on appelle ça, le premier jour qui il est, j'ai oublié le nom, premier jour, Onen. Premier jour, il est Onen. Après les Shiva, après Shiva, les Shoshim, après Shoshim, l'année. On voit que les transitions dans la vie, c'est des transitions qui se passent par étapes, tout doucement. On voit ça dans les saisons, la même chose. C'est pas qu'il y a subitement, on passe de l'été à l'hiver. Au milieu, il y a. Et ça caractérise le monde naturel. Peut-être c'est lié à ça, que toutes ces choses se passent pas comme ça. Oui. La seule chose qui s'est passée comme ça, c'est la sortie d'Égypte. Et ça, le fait que on met ça en relief, que ça s'est passé comme ça, tout vite, subitement, par le fait qu'on mange la matzah. On est sorti tellement vite que la matzah n'a pas eu le temps, le pain n'a pas eu le temps de gonfler, de devenir du pain. Alors pourquoi c'est tellement important, le Maharal de Prague lui dit, de parler, de mettre en relief la vitesse avec laquelle ils sont sortis d'Égypte, pour mettre à l'avant l'idée que la sortie d'Égypte c'était surnaturel. Surnaturel. C'est pour ça justement que ça s'est passé d'un trait. Dans quelques minutes, ils sont passés d'un état d'esclavage à ça. Mais c'est pour ça que ça fait partie de Leila Seder et de la sortie d'Égypte. C'était d'un trait, c'était subi. Parce que ce n'est pas naturel. Et c'est justement la sortie d'Égypte n'était pas naturelle. Tandis que tout ce qui se déroule encore une fois dans un contexte naturel, ça s'évolue doucement. Et peut-être encore une fois, c'est lié à une réponse à ta question. Alors, la Gemara dit. Amar Rav, lo Rabbi Eliezer ben Yaakov, itle de Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yehuda, itle de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si vous regardez dans votre Gemara, en haut de la page précédente, Chaf Hei Amud Bet, en haut de Chaf Hei Amud Bet, c'est écrit Toshma. Regardez juste en haut de la page Chaf Hei Amud Bet, Rabbi Yehuda Omer. L'Ohaya Pais les Martins. Il y avait, vous entendez, on avait parlé de ça, que pour la Ketoret, il y avait deux éléments. Il y avait celui qui rentrait avec la Ketoret, l'encens, et celui qui rentrait aussi avec les braises. C'était un autre acte. Il prenait des braises d'en haut et il plaçait les braises. Et celui qui avait la Ketoret, il versait la Ketoret sur les braises qui se trouvent sur Mizbech Hazav. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y avait pas un Pais spécial pour les braises, parce que ça faisait partie de l'ensemble. Ça veut dire quoi? Il y avait un tirage au sort pour la Ketoret, et le Kohen qui recevait la Ketoret, il s'adressait au Kohen qui était à sa droite, il disait, bon, toi, tu es responsable du Lamartin, des braises. Or, maintenant, on dit que celui qui est d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit qu'il n'y avait pas un païs pour prendre les morceaux de la rampe et les mettre sur le feu. Il n'y avait pas un nouveau païs. Forcément, on doit dire qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Il ne peut pas être aussi d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit qu'il n'y avait pas aussi un païs pour ça. On va voir dans les mots. Je répète encore une fois. Amar Rabba, lo Rabbi Eliezer ben Yaakov, it le de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Mais le Rabbi Yehuda, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Imken, batzru le hupayaso. Parce que si c'est comme ça, si c'est ainsi, que tous les deux ils sont d'accord, qu'il n'y avait pas un païs pour ça et pas un païs pour ça, batzru le hu. Il va manquer des tirages au sort. Nous, on a un truc de base. C'est quoi le truc de base? Il y avait seulement quatre tirages au sort. Alors, notre Mishnah dit que pour le quatrième tirage au sort, c'est déterminé qui vont être les communes qui vont prendre les morceaux de l'offrande de la rampe et les mettre sur le feu. S'il n'y a pas de tirage au sort pour ça, et non plus pas un tirage au sort pour la Martha, alors tu n'as pas quatre tirages au sort, tu en as trois. Oui. Donc forcément, si tu n'es pas d'accord, si tu es d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu dois dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, et lui nécessiterait un tirage au sort pour la Martha, pour les braises. Comme ça, s'il y a un autre tirage au sort spécifiquement pour les braises, on reste avec quatre tirages au sort.
La même chose, Rabbi Yehuda qui dit, bon, il n'y a pas un tirage au sort pour les braises, ok, mais c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, il y a un tirage au sort pour la rampe, et de les mettre de la rampe sur le feu, ça c'est ce qu'il veut dire. Il dit qu'il y a un tirage pour les braises, pour les braises, ça veut dire qu'il y a 5 tirages au sort, même pas 4. Alors, ça, non, alors ça doit être, il doit être d'accord, il doit être contre Rabbi Eliezer Ben. Non, pardon, s'il dit qu'il y a un tirage au sort pour les braises, alors il est de l'opinion de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour le Kevesh. Exactement. Alors on reste avec 4. Mais la Gemara dit, elle continue, elle dit justement ce que tu viens de dire. Vei mashkach Tana, si tu trouves une opinion à Tana, de Tana qui enseigne Chamesh, qui avait 5 tirages au sort, alors forcément à Hou, de l'Oke Rabbi Eliezer Ben Yaakov, mais de l'Oke Rabbi Yehuda. Alors, il est contre Rabbi Eliezer Ben Yaakov, mais contre Rabbi Yehuda. Parce que si lui qui dit qu'il y a 5 tirages au sort, comment il arrive à 5? Parce que pour lui, il y a un tirage au sort pour les braises, et un tirage au sort comme la Mishnah pour la rampe, de la rampe jusqu'au au feu, on arrive à 5. Ok? Capito. Alors, très vite un mot. C'est vrai, tout le monde a compris ou c'est fou? Alors, juste un tout petit mot sur la paracha. Un tout petit mot. La paracha du Shabbat précédent. On parle dans la paracha, la première fois quand on parle dans la Torah d'un miracle. Du miracle. Jusqu'ici, on ne parle pas dans la Torah d'un miracle qui a été fait pour quelqu'un. C'est vrai qu'on parle du miracle qu'Abraham a vu Marie quand elle a été jetée dans la fournaise et tout ça, mais ce n'est pas dans la Torah, c'est un midrash. Mais dans la Torah, on parle vraiment, on parle d'un miracle. Et c'est intéressant de voir à quel point le miracle, il est dépendant de du récipient. D'abord, on voit que l'histoire de Hachnasat Ochim, qu'Abraham a vu et Sarah, ils ont reçu ces ochim. Pas seulement ils les ont reçus, ils les ont donné à quoi manger, mais ils ont fait ça le troisième jour après la Brit Mila d'Avram Avinu, quand il était dans la douleur. Donc on voit qu'il y a un Messirut Nefesh d'Avram Avinu pour cette mitzvah. Donc on voit qu'on a besoin de mérite. La Torah nous dit, tiens, regarde, ils ont, c'est pas ça, mais ils ont mérité. Ils se sont donnés à cette mitzvah d'Aknasat Ochim et de Chesed. Ça, c'est un mérite. Et grâce à ce mérite, ils ont eu ce miracle que les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, que vous allez dans un an avoir un enfant. Et on voit aussi dans l'Aftara, justement, souvent l'Aftara, elle met en relief le même sujet principal de la paracha. Et le premier miracle dans l'Aftara, c'est la femme de Ovadia Navi, le miracle qu'elle a eu. Alors pourquoi elle a eu ce miracle? Parce que son mari, Ovadia Navi, il a caché son prophètes, les derniers 100 prophètes qui étaient poursuivis par le roi Achav, et il les a cachés et il les a aussi nourris pendant je ne sais pas combien de temps, un an ou plus. Donc ça, c'est un énorme mérite. Encore une fois, on voit à quel point le miracle c'est lié au mérite. Deuxième chose qu'on voit qui est intéressant, on voit à quel point le miracle, l'étendue du miracle, ça dépend aussi encore une fois du récipient. Et quel point de vue, par exemple le deuxième miracle dans l'Aftara, quand Elisha, on lui a donné Eshet HaShunamit, où dormir et quoi manger, quand il passait, chaque année il passait par le village, il hébergeait le prophète. Alors le prophète il dit à son serviteur, j'aimerais bien récompenser cette femme. Alors il dit à la femme de venir, et il dit, est-ce que quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as un problème avec le Melech ou Sarat Saba, le roi ou avec les autorités, l'armée? Elle répond, Betoch Ami Anochi Yoshabat. Elle dit, non, j'ai les pistons. Je suis pistonné, je suis bien. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas de problème. Et voilà. Et alors là, et puis Elisha dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et puis là, le serviteur dit, tu sais, mais elle n'a pas d'enfant. Elle est, comme on dit, stérile. Elle est stérile. Stérile. Voilà, il lui donne une baraque qu'il peut avoir un enfant. Ah, ça, c'est un grand truc. Quoi, c'est un grand truc? On voit que Et Ratzon,
Akadosh Baruch Hu, comment Ed Ratson, c'est un moment de Ratson, Akadosh Baruch Hu ouvre le robinet. Mais ça aurait pu être. Si elle aurait dit, tu sais, oui, en fin de compte, j'ai un problème, ça fait un an que j'attends l'autorisation de la mairie pour construire un balcon. Il aurait dit, ok, je vais te donner une barque là, tu vas recevoir ça. Ou je veux ça, dans l'armée, je ne sais pas que mon fils va faire moins d'années dans l'armée ou de l'an. Mais en fin de compte, il a eu un miracle. C'est pas un miracle. Alors ça. Mais elle n'a pas demandé avant. Elle n'a pas demandé. On voit dans c'est l'Aftara qu'on a pu aller où par là ou par là. Mais le transformation, il mais en attendant, Chazal, ils disent que la structure de l'Amida, compris, elle est structurée comment? Que les trois premières brachot de l'Amida consistent de bakashot. Pardon, les trois premières brachot de l'Amida consistent de shevach. Il faut chanter les louanges à Kadosh Baruch Hu. Sont suivis par les 13 brachot, c'est des demandes. Et après les trois dernières brachot, c'est remerciements. Shevach, Bakasha, Hodaya. Alors pourquoi c'est structuré comme ça, ainsi, la tefila? Alors ça donne une mauvaise impression. Pourquoi ça donne une mauvaise impression? Ça donne l'impression que d'abord on dit à Kadosh, tu sais quoi, tu es grand, tu es beau, tu es tout puissant. Et puis après tu peux le donner. Tu peux te donner ça, ça, ça et ça. Ça donne une mauvaise impression. Enfin, qu'on ne sait rien à voir avec ça. Plutôt, pourquoi la prière structurée comme elle est structurée? Parce que quand nous, on chante des louanges, ce n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous permettre de mieux demander. Ça veut dire quoi, de mieux demander? Quand on dit à Akadosh Baruch Hu, je te demande, alors ne place pas des limites sur tes demandes. Sache, par exemple, dans la deuxième bracha, qu'il est capable même de faire vivre les morts. Alors, s'il est capable de faire vivre les morts, il est capable de faire ce qu'il veut. Tu peux demander ce que tu veux. Alors, si toi, tu es un type religieux, par exemple, et tu demandes, tu as besoin d'argent, au lieu de demander en ta prière, qu'est-ce qui va impacter sur son patron, il va te donner une hausse de 20% de ton salaire. Et normalement, ça, c'est le genre de choses qu'on ferait. Et il y a une possibilité qu'il va me donner une autre. C'est ce que j'espère. Hachem, fais en sorte que Kadosh Baruch Hu va influencer mon patron qui me donne une autre de 20%. Mais au contraire, les trois brachot qu'on dit, le Sheva, c'est pour nous faire comprendre. Ne te limite pas. Pourquoi 20%? Si tu as besoin d'argent, demande à Kadosh Baruch Hu qu'il va donner 1 million. Si tu as besoin d'un million, si tu as vraiment besoin. Va à fond et demande 1 million. Même si toi, une perspective à pied à terre, une perspective naturelle, ça parle comment je recevoir. Et c'est pour ça que même Sarah Imenu, qui est une prophétesse, on dit qu'il y avait les anges se promenaient chez elle d'une façon dans la routine. C'était une femme super spirituelle. Mais même elle, quand elle a entendu que les anges ont dit, elle va avoir un enfant, elle qui avait perdu biologiquement la capacité d'avoir un enfant, elle a rigolé. Même elle a rigolé, mais c'est pas possible. Elle a dit non, pourquoi elle rigole? Ne dis pas, n'impose pas une limite sur un Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on dit le Sheva dans les trois premières Bachot, pourquoi on dit la première Bacha Ahava? Kadosh nous aime. Ça ne pense pas que si tu n'as pas suffisamment de mérite, il ne va pas te donner. Il t'aime. S'il t'aime, quand on aime quelqu'un, comme la même façon qu'un père qui aime son fils, même si le fils n'est pas méritant à 100%, il va recevoir parce que le père l'aime. À Kadosh Baruch Hu nous aime. Alors ne pense pas, je ne suis pas méritant d'un tel. Non, il t'aime, un point c'est tout. Et deuxièmement, il est Mechayemitim. Le Mechayemitim, il peut donner tout ce que tu veux. Ah, ça, c'est l'idée aussi, c'est lié au miracle, c'est le récipient. On a dit à Kadosh Baruch Hu, Silcha al-Yad Yaminecha, c'est l'ombre de notre main droite. C'est de quoi l'ombre de notre main droite. Si tu soulèves la main, l'ombre aussi elle soulève sa main. Si tu descends la main, l'ombre elle descend sa main. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se comporte vers nous de la même façon que nous on le conçoit. Et si on conçoit que Akadosh Baruch Hu est tout puissant et il nous aime et il est capable de nous donner tout ce qu'on veut, y compris, par exemple, j'avais dit ça à Chaim vis-à-vis de son père, même si le soi-disant spécialiste décrète que c'est foutu, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détermine ça. Si tu le crois vraiment, ne prie pour ça vraiment, réellement, parce que souvent, même des gens religieux, une fois qu'ils entendent le spécialiste qui s'est foutu,
Dans nous, on dit bon, on continue à prier et faire Shema, mais dans nous, bon, c'est fini en fin de compte. Pourquoi? Parce que le spécialiste l'a dit. Mais dans notre fond, il dit non. À cause de lui, Mechayemitim. Ah, si il peut tout faire. Tout. Alors, quand nous, on fait les bakashot, il faut qu'on mette Hashem Mevekshim, la lechet al kol akupa, demander au maximum. Et pas nous-mêmes imposer des limites sur la chef à quelqu'un que vous pouvez nous donner. Si on a besoin, Il n'est pas limité. Si on a besoin de 5 000 shekels, on peut demander 10 000